Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'allaitement de notre petite Vanina. Plutôt le biberonnage de notre petite Vanina. Alors si vous avez suivi un petit peu l'histoire, Vanina fait partie des triplés de Olympe, la maman. Cette année, c'est la première fois que nous avons des triplés sur la ferme. C'est la première fois que Olympe a des triplés aussi dans sa vie, dans sa carrière de chèvre angora. Et du coup, c'était une nouveauté pour nous. Alors, apparemment, chez les chèvres angora, il est plutôt courant d'avoir des jumeaux. Par contre, des triplés, c'est pas si souvent que ça. Et quand ça arrive, il est conseillé d'intervenir en biberonnant un des petits le plus faible. Donc nous, quand c'est arrivé, je sais pas si vous suivez nos aventures sur Instagram, mais j'avais fait évidemment story, vidéo et tout ça. Puisque, le 9 avril, nous avons eu Olga qui a mis bas des jumeaux, dont un qui est mort-né. Donc on était évidemment très triste et encore plus angoissé qu'il y ait des mises bas quand on ne soit pas là, puisque là on était là ce jour-là, donc on sait qu'il est mort-né. Mais moi j'ai toujours peur quand il y a une mise bas que ça se passe mal, qu'on ne soit pas là pour dégager un petit peu les voies respiratoires et que le petit meure. Donc comme on a eu ce petit qui est mort, j'avais encore plus d'angoisse d'aller au boulot et qu'il y a encore Olympe à mettre bas. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait ni des jumeaux ni des triplés. Franchement, elle était grosse, mais en fait, quand elles sont gestantes, elles sont toutes énormes. Donc franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde dans son bidou. Mais finalement, le lendemain, quand nous sommes partis au boulot, le lendemain du 9, donc le 10 avril, en rentrant du travail le soir, nous avons découvert au milieu du champ Olympe avec ses trois petits chevreaux à ses pieds, les trois debout. Franchement, c'était incroyable comme image et ça me restera pour toujours. Je vous avais fait du coup un petit réel sur Instagram avec ces stories, enfin ces vidéos que j'avais prises. Franchement, des fois je les regarde, mais les naissances de l'année là, ça me fait trop plaisir de regarder ça. Et donc c'était vraiment une sacrée surprise. Quand on arrivait du boulot, il était je crois 20h, donc avril, voilà, il fait pas si chaud que ça. Toutes les chèvres étaient rentrées d'elles-mêmes en chèvrerie, parce que la journée ils ont accès chèvrerie enclos. Mais Olympe, elle s'est retrouvée au milieu de l'enclos avec ses trois petits, sachant que les petits, ça faisait beaucoup de marches pour aller jusqu'à la chèvrerie. Donc en fait, elle était un peu bloquée là, genre je sais pas ce que je vais faire, on est là quoi. Donc nous, on est allé tout de suite la voir. On a justement pris chacun des bébés et puis elle nous a suivis. On les a ramenés tous en chèvrerie et on les a mis sous lampe chauffante pour la nuit. Tout le monde était bien, tout le monde était debout. Alors ils avaient tous trois tailles, une taille différente je veux dire. Vanille était la plus grosse. Velours était une taille intermédiaire et Vanina était la plus petite. Voilà. Quand j'ai fait mes stories sur Instagram, j'ai eu quelques retours d'éleveuses de chèvres angora qui m'ont interpellée en me disant « Oh là là, il va falloir que tu dégaines les biberons parce que quand on a des triplés, il faut forcément biberonner. » Moi, j'avoue que c'est pas quelque chose auquel je tenais à faire parce que c'est sûr, ça fait plaisir de donner un petit biberon à une chèvre, voilà, c'est sympa. Sauf que tous les jours, pendant plusieurs mois, plusieurs fois par jour, c'est très prenant comme activité. Il y a ça, mais il y a aussi et surtout, j'ai pas envie de trop intervenir concernant l'élevage des petits, puisque pour leur équilibre physique, psychique, tout ça, c'est quand même mieux d'être élevé par sa propre maman. Donc là, évidemment, on n'allait pas la séparer de sa mère, mais voilà, c'est toujours mieux, je trouve, d'intervenir le moins possible. Donc, j'ai pas voulu intervenir tout de suite, et je me suis dit, par contre, je vais observer de très près. Donc, de toute façon, ça, c'est quelque chose que je fais pour toutes les naissances, que ce soit, du coup, triplé, jumeau ou chevreau unique. Je pèse le petit le jour de sa naissance, et après, je le pèse une fois par jour, tous les jours. En plus des pesées, il y a énormément de temps d'observation. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à observer si les bébés prennent bien la mamelle dès le départ. Et puis après, s'ils tètent régulièrement, assez longtemps. Voilà. Donc il y avait beaucoup d'observations, beaucoup de temps passé avec eux. C'était pas un supplice, hein, évidemment. Parce que je pourrais, quand les chèvres mettent bas, que ce soit triplé ou chevreau tout seul, si j'ai envie d'installer un lit dans la chèvrerie et de rester tout le temps avec elle pour observer. Donc ouais, c'était vraiment un plaisir de les observer. Maki, ça va, oui? Elle est en train de creuser à côté de moi. Qu'est-ce que tu fais, petit ratier? Petit ratier, tu vas avoir de la terre sur ton museau, là. Ben oui, mademoiselle.
Donc voilà, donc il y avait beaucoup d'observations, comme je vous disais, et des pesées. Dans nos observations, on se rendait compte que Vanina était la petite qui était le plus à la traîne. C'est-à-dire que quand, alors très souvent, les mamans, je pense qu'elles ont des petites poussées de lait, elles sentent quand il y a le lait qui arrive, et du coup elles font un petit gémissement qui appelle les bébés, et les bébés têtent. Donc quand elle fait ça, bien évidemment, les trois arrivent, sauf que les deux plus au taquet sont déjà aux mamelles. Il faut noter qu'une chèvre, que ce soit n'importe quelle race de chèvre, ça a deux mamelles. Donc quand il y a trois bébés, il y en a forcément un qui est un peu lésé. Et donc à chaque fois, bah, c'était la même. Et plus elle est lésée, moins elle a de force. Maki, stop s'il te plaît. Moins elle a de force et du coup moins elle a de facilité à s'imposer au moment de la tétée. Donc en fait, c'était un cercle un peu vicieux. En parallèle de ça, on voyait qu'elle ne prenait pas de poids pendant un certain moment et après carrément elle en perdait. On a essayé du coup d'intervenir, mais en restant au plus proche de la nature, c'est-à-dire qu'on a isolé la maman quelques minutes avec uniquement Vanina pour qu'elle puisse téter. Mais en fait, on s'est rendu compte que la maman la chassait un peu, parce que je pense qu'elle s'était rendu compte que 3 c'était beaucoup trop. Et du coup, naturellement, elle en rejetait un, qui était Vanina. Donc on a voulu dans un second temps insister un petit peu en tenant Olympe le temps que Vanina tète pour qu'elle la dégage pas avec sa tête et tout ça. C'était pas un moment très agréable parce qu'on voyait clairement qu'Olympe elle avait pas envie de se faire téter et voilà. Donc après on n'a pas non plus insisté de trop. En parallèle on avait Olga qui avait mis bas la veille et qui du coup avec un seul petit. Donc on s'est dit on va brancher Vanina sur la mamelle d'Olga pour voir si elle prend. Finalement Olga ne voulait pas du tout se laisser faire. Et là, on n'avait pas envie de forcer plus, sachant que c'était même pas son petit. Et aussi, Vanina ne voulait pas de cette mamelle. C'était pas l'odeur de sa maman, donc elle voulait pas, donc ni l'une ni l'autre ne voulait, donc on n'a pas insisté. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a... qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'on a trait un petit peu pour essayer Olga, pour donner le lait à Vanina, mais elle n'en voulait pas. Et donc très rapidement on s'est mis à du lait en poudre, du lait exprès pour chevreau. Donc on a fait ça, sauf que bah, Vanina, la tétine, c'était pas du tout comme la mamelle de sa maman. Donc pendant très longtemps, je la forçais à boire pour qu'elle prenne du poids. Ça fonctionnait, mais c'était vraiment un sacré boulot parce qu'elle voulait pas. Donc en fait, il fallait que je la cale contre moi, que je lui ouvre la bouche pour lui mettre la tétine. Et comme elle n'était pas contente, elle mâchait la tétine, il n'y avait aucune succion, elle mâchait la tétine. Et finalement, ça finissait par couler, elle finissait par avaler, et donc elle buvait comme ça. Mais voilà, elle prenait vraiment pas beaucoup. Quand on était à ce stade-là, donc c'était vraiment dans le premier mois, on la mettait aussi une fois par jour isolée avec sa maman, et on tenait Olympe pour qu'elle puisse téter quand même sa maman, pour qu'elle ait quand même du lait de sa maman. Mais voilà, c'était une seule fois par jour, donc c'était vraiment pas beaucoup de lait dans la journée. Donc à côté, elle avait le lait en poudre qu'on mettait en biberon. Donc là, on était à 5 nourrissages par jour de, à chaque fois, 50 ml. Donc c'était vraiment des tout petits biberons. Je sais pas si je peux vous montrer sur celui-ci. Non, je peux pas vous montrer parce que là où j'ai mon doigt, là, ici, c'est 100 ml. Donc vous voyez, 50, c'est la moitié. Donc... c'était vraiment pas beaucoup à chaque fois. Mais au moins... Ça l'a sauvée finalement. Et donc au bout d'un mois, vraiment d'un coup, du jour au lendemain, elle s'est mise à téter vraiment les biberons. Et là, elle a englouti les 50 ml. Donc de 50, je suis très rapidement passée à 100 ml par biberon, 5 fois par jour. Donc on est passé de 150 ml par jour à 500 ml par jour, donc c'était déjà une belle évolution. Elle a toujours continué à prendre du poids, et là, à partir du moment où elle a tété, elle s'est développée, ses cornes ont poussé. Enfin, vraiment, on a vu qu'il y avait un avant et un après le premier mois. Donc ça y est, c'était parti. Et depuis, là maintenant, elle a 3 mois. Elle vient tout juste d'avoir 3 mois il y a 2 jours, puisque quand je vous tourne cette vidéo, on est le 12 juillet. Ça y est, donc elle a fêté ses 3 mois. Ils ont tous fêté leurs 3 mois. Les triplés et puis Violette, la fille d'Olga, qui est née un jour avant les triplés. Donc voilà, ils ont tous fêté leurs 3 mois et donc depuis 2 mois, je donne le biberon. Donc on n'est plus à 5 fois par jour, mais on est à 3 fois par jour. Et c'est des biberons de, c'est 2 biberons de 300 à chaque fois. Donc là, on était à 1,8 litre par jour pendant 2 mois. Enfin, progressivement, mais après on a stabilisé à 1,8 litre par jour. Alors les poids que je vous donne, ça concerne les chèvres angora.
parce que et donc j'ai continué à suivre la courbe de poids. Hein. J'ai pesé jusqu'au 1 mois et demi, 2 mois, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Jusqu'au un mois et demi, 2 mois. Oui. Et oui, le poids que je vous donne, c'est uniquement pour les chèvres angora, parce qu'une chèvre naine, ça va pas être la même chose, et une chèvre alpine ou une salers, si je dis pas de bêtises, les fermes d'élevage pour faire du lait de chèvre, là, c'est beaucoup plus. Donc voilà, les poids que je vous donne, c'est vraiment pour les chèvres angora. Et donc maintenant, bah, on arrive aux 3 mois, j'ai plus de lait en poudre, j'ai hésité longuement à en racheter, mais en même temps, on est à peu près au moment du sevrage. En plus, physiquement, le corps de Vanina me l'a démontré, puisqu'elle a eu une petite phase à ses 2 mois et demi, elle a eu... alors, il y a le climat aussi qui a fait ça, puisqu'il a fait chaud et humide, donc l'herbe était un peu fermentée, je pense, quand elle a... manger du chaud et humide, enfin, en tout cas ça a fermenté plus rapidement dans son estomac, ça a un petit peu déréglé sa flore intestinale, et par dessus ça, comme je lui donnais les biberons, le lait ça ramollit les selles, et donc elle a eu des très fortes diarrhées plusieurs jours d'affilée, donc ça nous a alerté sur le fait qu'elle avait peut-être trop de lait dans son alimentation, donc on a diminué à partir de ça, donc oui c'était à ses 2 mois et demi, oui ça fait 2 semaines. Et du coup, c'était aussi le signal pour nous dire que bah fallait diminuer tout simplement. Donc je l'ai repesée là. Elle a rattrapé ses frères et sœurs. Elle est encore un petit gabarit, mais elle a rattrapé quand même ses frères et sœurs. Donc c'est plutôt chouette. Et donc là où le jour où je vous parle, on est à son avant-dernier biberon, je pense. Je pense que j'en referai un demain matin et ce sera le dernier. Et voilà, bah c'est bien pour elle. Je suis contente. Même si là, elle a compris que dès qu'elle me voit, elle se dit c'est le biberon. Donc ça va être dur parce qu'elle va me demander, ça c'est sûr. J'ai déjà beaucoup réduit. On est passé donc des 1,8 litre à... alors depuis 3 jours, je suis à 900 ml par jour. Et aujourd'hui, j'ai diminué à 600. Demain, je pense que ce sera un dernier biberon de 300 ml. Et après, ce sera terminé. Je vous avoue que voilà... c'est un tout, hein. C'est l'âge qu'elle a, c'est le fait que j'ai plus de lait en poudre, c'est le fait qu'elle a eu des diarrhées et que clairement ça voulait dire il faut penser au sevrage, c'est le fait que d'autres éleveurs me disent 3 mois mais c'est bon, tu peux sevrer, mais j'avoue que pour elle comme pour moi c'est des moments magiques, et voilà, mais j'ai pas non plus envie de la rendre archi dépendante et qu'elle se dise dès que Juliette arrive c'est le biberon quoi, il n'y a pas que ça. Mais c'est clair qu'on a lié un lien différent avec tous les autres, même si je suis proche de vraiment toutes mes chèvres, mais c'est pour toutes différent. Mais là, c'était la première fois que j'élevais au biberon ma petite chèvre angora. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ça, de comment ça s'est décidé, comment ça s'est fait, combien. Alors si vous avez besoin de détails, si vous êtes éleveur de chèvres ou que vous débutez, parce que j'ai pas mal de personnes qui veulent se lancer dans l'élevage, qui suivent ma chaîne parce que j'ai partagé un petit peu tout mon processus pour en arriver là. Et donc, bah encore une fois, c'est une nouvelle étape que j'apprends. Ça fait que 3 ans que j'ai mes chèvres et c'est vrai que même si je suis dans le monde animalier, à chaque fois, c'est quand même des nouvelles étapes dans ma vie d'éleveuse. Et je suis très contente de vous les partager. Je suis très contente aussi justement de ce partage parce que c'est dans les deux sens, vous voyez. Les éleveuses qui m'avaient alertée avaient bien raison. Je devais intervenir. Je suis contente de la façon dont je l'ai fait parce que j'ai quand même essayé de faire le plus naturellement possible. Et elle a quand même eu du lait de sa maman assez longtemps, même s'il était mélangé avec du lait synthétique, voilà. Parce que c'est quand même le meilleur des laits, je pense, le lait de sa maman. Voilà. Une petite chose à noter, c'est que quand on élève une chèvre, quand il y a un problème avec la maman, qu'elle a pas assez de lait, ou alors que la maman a eu un problème ou quoi, il faut surtout bien s'assurer qu'elle a eu le colostrum. Donc ça, c'est le premier lait que le bébé tète. Alors quand ils sont trois, alors quand elle est née, justement, heureusement que j'ai fait ces petites vidéos, parce que dès qu'on est arrivé du boulot, qu'on a découvert les triplés, j'ai tout de suite... Oh, ma chérie, tu t'es piqué ou quoi? Tu t'es piqué mon bébé, ça va. J'ai tout de suite filmé et en fait, via ces vidéos, je vois qui tète dans mes vidéos et c'était la petite Vanina. Donc je suis très contente parce que du coup, j'aurais pu ne pas savoir si elle avait eu le colostrum, mais si, elle a tété dans les premières heures, donc ça c'est chouette.
Voilà, parenthèse fermée, mais ça vaut pour tous les mammifères en fait. Hein. Dès qu'on est allaité par sa maman, il faut boire le colostrum puisque c'est là où tout le système immunitaire, toutes les infos pour le système immunitaire est envoyée et transmise de la maman au bébé. Il y en a une partie qui se passe dans le ventre de la maman, mais il y en a aussi une partie dans l'alimentation hors utérus, quoi. Voilà, je sais pas si je zappe des étapes, mais je ne crois pas. Voilà, c'est un moment plein d'émotions de donner le dernier biberon. C'est pour ça que je suis aussi contente de les filmer parce que bah, c'est que des souvenirs tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura été utile pour certains ou certaines d'entre vous. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Je marquerai, je pense, le lait en poudre que j'ai utilisé. Et puis voilà. Et pour avoir épluché tous les laits en poudre qu'il y avait dans le commerce. Je vous conseille, alors je ne sais pas si c'est dans toutes les régions, nous on est allé à l'Alliance Pastorale et c'est un endroit où on se fournit quand on est agriculteur ou agricultrice, mais quand j'en ai acheté, on ne m'a pas demandé mon numéro de sirette, mon numéro d'élevage ni quoi que ce soit, du coup j'ai posé la question et en fait quand c'est des petites commandes, en tout cas là où je suis allée, ils m'ont dit qu'ils pouvaient vendre à des privés quand c'était... Si vous n'êtes pas forcément éleveur, mais que vous avez besoin de lait en poudre, alors c'est pas forcément pour le... c'est pas un lait en poudre spécial chèvre angora. Hein. J'ai juste adapté les doses qu'ils préconisent, quoi, en fonction du poids, mais voilà. Donc l'Alliance Pastorale est un bon fournisseur de lait en poudre, parce que sinon partout ailleurs et encore plus chez le vétérinaire. Après, quand on n'a pas le choix dans l'urgence, on fait comme on peut. Hein. Mais je suis passée de 2,88€ le kilo de lait en poudre à 20€ le kilo chez le véto. Donc voilà. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce pour me témoigner votre soutien. Et puis me dire tout simplement si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram où nous sommes pas mal nombreux et où on interagit pas mal. J'espère que tout le monde va bien, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. J'ai complètement oublié de vous parler de la transition alimentaire parce que c'est bien beau d'arrêter le lait, mais qu'est-ce qu'elle va manger? Alors, il faut noter que depuis qu'elle est bébé, comme tous les autres chevreaux, les mamans mangent devant les bébés. Donc, il y a toujours en accès libre du foin, tout le temps. Il y a le matin distribution de granulés, il y a plusieurs céréales. L'hiver, c'est même, enfin l'hiver et au printemps, c'est même matin et soir. Là, l'été, je diminue et du coup, je donne que le matin, mais sinon, c'est matin et soir. Donc, les petits sont amenés à sentir, toucher, goûter les céréales, le foin. Le foin, ils en mangent très tôt. Ça les empêche pas de téter leur maman, mais en tout cas, ils ont accès très tôt au foin. Et les premiers, alors les petits, je les garde une bonne semaine renfermés, mais après, en fonction du temps, s'il fait sec, je leur donne accès à dehors. Ils ont une petite injection d'anticoccidien puisque les chevreaux peuvent attraper la coccidiose. Donc ça, c'est important de leur faire assez rapidement avant qu'ils sortent pour pas qu'ils l'attrapent justement dans l'alimentation de l'extérieur. Il faut surveiller si tout va bien, mais très rapidement, ils peuvent avoir accès à dehors et manger du coup des végétaux. En plus, c'est très intéressant puisqu'il y a une variété naturelle qui leur est proposée. Et une richesse aussi. Donc en plus quand ils naissent, c'est le printemps, donc l'herbe est tendre et tout ça. Donc voilà, ils ont tout de suite eu accès à l'alimentation des adultes. Quand ils sont chevreaux, alors c'est recommandé et c'est ce que j'essaye de faire, mais très franchement je galère. Il y a une alimentation spéciale chevreaux qui existe, qui est une sorte d'alimentation, je me suis pas trop bien renseignée, mais un peu plus riche. Et il y a une sorte de vermifuge qui est intégré dans ces granulés-là d'ailleurs. Un truc très
il peut pas y avoir de surdose, vous voyez. Très léger, mais en tout cas, j'avais pas vu qu'elle s'était couchée juste à côté. C'est la petite Vanina, justement. Ça va, ma chérie? On est bien, là? On est bien? Ben ouais, on est bien, là. Il fait bon, il fait... C'est trop agréable, le petit coucher de soleil. On mange couché, tranquille. Donc, oui, il y a une alimentation, hein, des granulés, qui existe uniquement pour les chevreaux. Quand on leur donne, c'est recommandé de faire un passage sélectif dans la chèvrerie pour qu'il n'y ait que les petits qui y allent et pas les mamans, parce que les mamans, elles mangent tellement à une vitesse qu'elles vont tout manger avant les petits. J'ai essayé, les petits s'en foutent. Du coup, pour le moment, ce que je fais, c'est que j'en mets une poignée dans l'alimentation des adultes. Enfin, j'en mets une poignée, une petite de gamelle. Et ça fait que les mamans en mangent, mais les petits qui commencent à s'intéresser un petit peu à la distribution de granulés en mangent aussi. Je pense que c'est pas l'idéal et que je pourrais faire mieux. Mais voilà. En tout cas, je vous partage mon expérience. Et du coup, je vous informe que y a une alimentation spéciale chevreau qui existe et qui peut se donner dès le plus jeune âge. On peut leur donner la première semaine qu'ils aient accès, ils goûtent quelques petits granulés et puis au fur et à mesure, ils augmentent leur consommation. Voilà, j'arrête. J'espère rien avoir oublié. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'oubliez pas. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.